comme c'est écrit dans le titre, je vais parler plus fort hein, parce que je suis déchicané. D'abord, je vais commencer par les remerciements. Je voudrais remercier tous mes abonnés parce que j'ai deux vidéos qui ont bloqué. J'ai deux vidéos qui ont bloqué à 301 vues. Quand j'ai vu ça, j'étais juste trop fier. C'était Observation quotidienne 4. Et du coup, j'étais vraiment content. Je voulais remercier aussi. Regardez ce qu'il m'a fait. Mon abonné Toto90. Parce qu'il m'a fait. Alors, sur ma clé de maison, je l'ai mis. Ah, ça fait du bien. Je sais pas si vous voyez. Un porte-clé. Alors, avec. On voit pas parce qu'il est un peu dégueu. Ma moto est marquée Bike to Dream. Et derrière, bah, son nom. Il a bien fait d'ailleurs, comme ça, je m'en souviens. Donc voilà, bah, je voulais remercier cet abonné qui est franchement super sympa. Ensuite, alors je voulais vous dire aussi, je suis sur Instagram. Parce qu'il y en a deux ou trois qui m'ont demandé, et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée. Donc je suis sur Instagram, vous tapez Bike to Dream. Je suis sur un autre, une autre plateforme sur internet, je suis sur motovlog.fr. Alors motovlog, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un forum avec pour l'instant pas mal de vlogueurs sur enfin de vlogueurs et youtubeurs sur internet, sur YouTube. Oh là, excusez-moi, il est 7h et je suis fatigué, là, j'ai roulé toute la journée. Donc voilà, enfin je dis un peu de la merde, mais c'est pas grave, c'est l'essentiel, je parle, on enlève la béquille. Donc, j'ai fait les remerciements, j'ai dit sur quoi j'étais, maintenant on passe à... Il y a marqué quoi dans le titre? Ah oui, les wellings. Bah oui, parce que j'ai vu la vidéo de Silk et puis le pauvre quand même. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je mets le lien dans la description. Alors, ça va se dérouler comme ça. Moi sur la mienne, ma moto, j'embraye, je passe la première, je donne des gaz, un petit peu, je roule, et je vais embrayer et je vais lâcher d'un coup sec. Alors la petite astuce que j'ai trouvée au fur et à mesure du temps, c'est de bien se caler le cul contre la selle passager. Ça évite que vous soyez un peu éjecté. Donc vous allez voir, je vais lâcher d'un coup et normalement ça devrait lever. Un magnifique fail. Deux magnifiques fails. Je vous dis, je suis vraiment fatigué là. Ça fait 3 jours que je roule avec un passager et du coup je suis crevé là. Ok. Alors ça, je viens de faire l'erreur de Silk. En fait, je lâche l'embrayage trop doucement. Donc tu vois, Silk, ça c'est ce qu'il faut pas faire. Maintenant, on va lâcher l'embrayage sec. Bon, ça me saoule là, je vais m'énerver. Voilà. Ça, c'est quelque chose de correct. Donc, on va recommencer. Donc tu vois, Silk, même avec un veau, on peut quand même faire des wellings. Le truc, c'est de lâcher l'embrayage vachement sec. Sec, sec, chèque, sec. Je préfère recevoir des chèques que des secs. Bon, ouais, faut que j'arrête. Ça lève pas. On va essayer une dernière fois. Bah non, là. Trop petit. Ah oui, gardez toujours le pied sur le frein arrière, parce que si jamais vous levez trop, vous mettez un coup de frein arrière et la moto va se rétablir, enfin va se remettre sur ses roues. Bon là,
je fais des petits sauts de lapin. Je voudrais faire un saut de kangourou là. Là. Avec une sportive sur un terrain de cross. Alors pour ceux qui vont me dire c'est dangereux pour ta moto, en fait ce terrain je vais m'amuser dessus depuis l'âge de mes 7 ans et j'y suis allé avec un petit peu tout comme moto. Normalement c'est un terrain de dirt et de vélo et j'ai essayé vraiment très doucement avec la moto, avec la mienne, et ça passe. Donc, on va tester ça, je vais vous montrer. Alors voilà, vous voyez le terrain, et je suis un fou. Alors Syl, les boules? Pas dégueulasser la moto. Là, 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 là. Là. Hein? C'est pas beau ça. Bref, on s'en fout en fait. Un deuxième tour, je suis un fou, j'apprécie tellement. Wow. En fait à la caméra ça doit vachement bouger, là ça bouge pas tant que ça mais c'est juste que j'ai trop peur pour ma moto. Ça passe tout juste. Ça tu peux pas le faire avec ton bandit hein. Parce que le bandouille. Le bandouille, il est trop lourd. Les suspensions, elles se tassent avec mon YZF, toute légère, faisant exactement 124,5 cm3, ayant pour puissance 15 chevaux. Freine, 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 freine. Alors, YZF 125R sur cross. Elle est trop méchante. Là. Et comme je suis un fou, je sais plus quel abonné a dit ça. Pour narguer Silk, je vais faire un wheeling sur un terrain de cross avec une YZF. Ici, ça fait. Non. Il y a un virage. Je peux faire ça. Bon, du coup, j'en suis à mon troisième tour. Ah, je vais pouvoir faire ça plus loin là-bas. Wow. Faut vraiment que je me casse. Alors. Ah non, il y a des gravillons, ça va pas. Ouais, je vais faire ça ici. On va dire que ça fait partie du terrain. Non, j'ai raison. Ça fait partie du terrain.
Oui, mais j'ai peur. Ah non, ça dérape. Bon, bah en fait, je vais pas pouvoir. C'était une très mauvaise idée, hein. Wow. Bah en fait, c'est fait le wheeling. Voilà, je viens de le faire avec la bosse. Ça vient de faire un wheeling tout seul. Partout et que la garde au sol est quand même pas trop basse, hein, parce que waouh, oh la moto elle commence à chauffer. Ah, il y a le ventilo. Bon bah je vais pas pouvoir exécuter mon wheeling sur le terrain de cross, c'est vraiment dommage. Moi je vais le faire ici, il y a personne. Bon bah voilà, en fait aujourd'hui c'était vraiment j'ai pété un câble là, j'en ai marre. Il n'y a personne. On va essayer de pas se vautrer dans les billes de bois, ça ferait des ordres. Voilà, d'ailleurs j'ai failli tomber de la moto parce que je suis pas calé le cul contre la selle passager. Wow, je viens de me faire horriblement peur. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai freiné tout de suite du frein arrière, ça a rétabli la moto. Retour de flamme.